この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer aujourd'hui à Formula Challenge, un jeu qui est dans sa couleur avec une ISO de 33 mégas. Je sens qu'on va bien se marrer parce que 33 mégas c'est à peine la taille maximale d'un jeu 64. Je rappelle qu'on est sur PS2, on est en format DVD. Dans tous les cas, je pensais faire l'introduction juste après, mais je viens de m'arrêter en fait sur un truc qui déjà annonce la couleur. Est-ce que pour vous c'est le drapeau allemand ça? On l'inverse à 90 degrés, c'est le drapeau belge. On le réinverse façon allemand, c'est pas le drapeau d'Allemagne. Ça n'existe pas ce drapeau, les gens de chez Renderware, Oxygène et je sais pas quoi. Voilà, ce n'est pas un drapeau, les gens. Ça n'existe pas ce drapeau. Allez, c'est parti, on va prendre un mot de français. Alors, la carte mémoire, ouais, c'est bon. Alors, on va quand même découvrir ce jeu ensemble. Course rapide, championnat, options et crédit. Si vous voulez savoir qui sont responsables de ce jeu de merde. Oui, j'annonce la couleur, de toute façon vous le savez déjà, puisque ce jeu est assez connu, mine de rien. Alors, on peut afficher la configuration. Ce qui veut rien dire d'ailleurs. Afficher la configuration. Bon, enfin, ça permet voilà, de monter ou descendre l'écran. Si on a un écran 4 tiers, pareil. Enfin, l'écran CRT en général. On peut choisir la configuration de la manette. Et déjà, je vais m'arrêter tout de suite sur cette configuration de la manette. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, les mecs, mais vraiment. Regardez. Bon, vue arrière L2, freiner R2. On voit qu'il y a des doublons. Hein. Par exemple, freiner, c'est aussi sur le bouton carré, c'est autant sur le bouton R2. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Freiner R2, ça existe dans d'autres jeux. Ça, quand c'est accéléré, bon. On peut accélérer freiner aussi avec le joystick. Et la direction avec le joystick ou la direction avec la croix. Par contre. Je vous montrais tout à l'heure, changer la caméra sur rond, vue arrière sans triangle, déjà c'est un peu moins logique, mais bon, vous allez voir, c'est pas ça le plus important. Alors la configuration sonore, bon, musique d'ambiance, effet sonore, j'adore la musique par contre. Alors on dirait, on a l'impression que le casque derrière c'est un truc de... limite c'est un masque de ski et j'ai l'impression de jouer à SSX, bon bref, c'est trop bizarre. Allez, on va passer la vibration, on peut l'activer ou on va l'activer, tant qu'à faire. Et on va revenir au menu principal. Alors on a un mode championnat et un mode de course rapide. Je vais faire une course rapide histoire de découvrir ensemble voilà. Le jeu, donc on a plusieurs tours. On peut aller chercher combien d'ailleurs? 10 tours, ok. Alors c'est un jeu qui sur sa jaquette a, il me semble, la sauvegarde de 2003. Sans licence évidemment, hein, donc tout a été retiré. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça la jaquette. Hein. Je pourrais vous confirmer ça. Normalement, ouais, ça devrait être ça. Bon. On fait suivant, on se met en normal, on peut jouer à deux. Toujours intéressant quand même pour jouer à deux à un jeu, ça c'est toujours un bon point. On va passer à la suite. Et donc du coup, jeu qui dit jeu sans licence, bah dit circuit un petit peu random. Alors ils auraient pu prendre les tracés, les vrais tracés. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'ils l'aient fait. J'essaie de reconnaître des circuits mais j'ai pas reconnu vraiment. Limite Japon avec la petite arche là, Dunlop, on dirait que c'est Donington, mais bon. Il y en a en rue du Kenya aussi, on a les États-Unis et le Mexique. Pourquoi pas, hein, mais en tout cas dans l'époque où le jeu est sorti, les États-Unis n'y avaient encore Indianapolis il me semble, et Mexique n'était pas revenu. On peut afficher au masque le circuit d'ailleurs. Et on peut voir un peu le tracé à quoi il ressemble. Voilà, donc si je fais carré, on peut voir le... Bah là on dirait... Attendez. On dirait pas le circuit de Catalogne ça? Franchement, on dirait Catalogne. Ça doit avoir l'Espagne. Ah non, l'Espagne ça a rien à voir. Si je mets le Japon, ça ressemble à rien. Ah, possible, si, peut-être un Suzuka étiré avec pas de 8. Ouais, bon. L'Allemagne.
L'Allemagne, c'est RRS. Sans déconner, les gens, c'est RRS, l'Allemagne. La France. Elle ressemble à rien. Le Brésil. Attends. La France, ça peut ressembler à. Alors, il y a une portion qui fait penser à Donington, non. Mais bon, c'est vraiment léger. Le Brésil. Le Brésil, non, ça, c'est ni fait ni à refaire. Et l'Australie. On a. Enfin, rien. Bon, on va commencer par l'Australie. Quoique, non. On va prendre un autre circuit parce que je pense que si on met le championnat, on verra pas les autres circuits. On va commencer avec un circuit sympa. On va prendre. Voilà. On a des équipes qui n'existent pas, évidemment. Ce sont des équipes fictives. On a donc la Global RT, le Team Endeavor, le Artelli Team, le MacG, le Zwerst. Ça sent l'équipe allemande, tout ça. Le Team Aqua, le Texel Racing, le Oxygen Pro Racing Team, qui fait penser un peu à une Vaillante d'ailleurs, Vivido International, qui fait penser à rien, la Revy Racing, qui fait toujours penser à rien, par contre je crois que la Zwerst, non, ou la Team Aqua, ouais, alors vite fait on va dire qu'elle me fait penser à une McLaren actuelle, avec le bleu et l'orange, le Endeavour me fait penser à une, ouais, aussi Mini Williams, faut le dire vite, et la Global RT me fait penser à rien du tout. On voit que chacune des équipes a une stat, vitesse, accélération, maniement. On va voir si une équipe a des stats assez moyennes, comme ça on va pouvoir comparer. La MacG a l'air correcte. Ou la Artelli par contre elle a l'air très bien. Ah, la Artelli elle a l'air cool. Alors on peut choisir les rapports de vitesse intermédiaire, élevé ou faible. Je vais prendre intermédiaire. Par suivant. Et on va donc démarrer ce jeu. Qu'est-ce qu'un jeu sans licence avec une taille ridicule peut donner. Alors, accélérer, souvenez-vous. Les feux vont s'éteindre. Alors, en tout cas, on a une vue embarquée déjà, c'est pas mal. Avec un volant, ma foi, fort bien fait, avec les boutons en 3 dimensions. Et c'est parti. Oula, alors par contre, le maniement, je sais avec les deux, hein, si je sais que c'est mieux ou pas. Bah, c'est pareil. Oula, on va taper tout le monde. Alors, je change de vue écran. Totalement illogique, mais bon, c'est pas grave. On change de vue écran, pourquoi pas. Donc on a une vue un petit peu derrière, on a une vue encore plus loin, qui je pense va être la vue la plus jouable, hein, concrètement. Par contre, regardez regardez la précision de mes contrôles, enfin je veux dire, je tapote un petit peu. Hein. À peine je tapote, la voiture elle change directement de sens. On a la caméra qui est totalement pas dynamique, hein, elle est juste fixée à l'arrière, enfin légèrement à l'arrière. Du coup, quand on tourne légèrement, ça tourne avec. La caméra tourne avec. Alors. Oh le petit saut. Incroyable. On va faire un petit rond. Alors par contre ça c'est quoi ton débile. On a une vue arrière les gens. Non mais attendez. Faut qu'on fasse un petit état des lieux là dès le début. On est d'accord qu'on a une vue arrière. C'est R2. Oh putain. Ok, donc en fait la vue arrière, ce qui normalement dans n'importe quel jeu, quand vous mettez la vue arrière, vous restez appuyé brièvement, vous relâchez, ça revient sur la vue avant. Et bah ici, je vais appuyer une seule fois. Voilà, ça reste la vue arrière. Je suis obligé de rappuyer si je vais sortir de la vue arrière. Et chose encore pire, le changement de vue qu'on a fait tout à l'heure avec le bouton rond, ça nous propose deux vues arrière. Mais qui va jouer avec deux vues arrière? Regardez. À quel moment je vais jouer avec cette vue? C'est totalement con. Alors cette vue est plutôt bien faite, par contre on voit pas les mains sur le volant. Ça c'est un petit peu dommage. Petit effort quand même qui aurait pu être fait ici. Alors en termes de graphisme, je trouve. Alors les Formule 1 je les trouve plutôt réussis. Franchement la 3D est bien faite. Alors on sait que c'est le même modèle pour toutes les voitures, c'est juste les couleurs qui changent. Vous avez compris comment on gagne de la place sur un disque, hein. Même si c'était pas très utile sur une PS2, on m'aurait dit ça sur une 64, j'aurais compris. Ou une Super Nintendo, ou une Genesis, ou. Bah, à la limite une Dreamcast. Mais pas sur une PlayStation 2, quoi. Enfin je veux dire, quand on a des disques qui peuvent aller jusqu'à 4,7 Go. C'est pas possible quoi, enfin, c'est pas là où tu te dis je vais gagner du temps quoi, enfin je vais gagner de l'espace. Alors on n'a pas de licence donc on a aussi, vous pouvez le voir, les noms des joueurs qui sont évidemment totalement farfelus. Et ils ont même pas essayé de faire des noms qui ressemblent à la F1, hein, pas du tout, hein. Par exemple Kai Song, Olof Wolfbrandt, ça ressemble à rien. Par contre, alors ce jeu est très arcade, en tout cas je trouve qu'il est très arcade. Par contre, il y a certains comportements que je trouve plutôt bien faits, notamment l'envol des voitures et la travée de suspension que je trouve assez drôle.
J'ai même l'impression que si on y met du sien, on peut même faire un tonneau à la voiture, ce qui est totalement improbable. Est-ce qu'on a gestion d'aspiration, tiens? On va se mettre derrière la voiture. Oh là, elle a ralenti, on ne sait pas pourquoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a deux dégâts. Enfin, j'aurais pu vous montrer si je n'avais pas changé de vue de manière totalement anarchique. Petit effort fait sur le son. Bon, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Le son, ça va. On va dire que ça peut passer. Je freine pas, je ralentis. On a aussi le petit effet de flamme aussi. Par contre, on voit que l'IA fait n'importe quoi. Elle a des trajectoires totalement anarchiques. Tout le freinage en pleine ligne droite qui était totalement inutile. Ah ouais, voilà. Le travail quand ça saute, je trouve ça génial. Franchement, c'est un ressenti qui est plutôt correct. On va la doubler et voilà l'IA qui freine. Et là, par exemple, je sais pas ce que j'ai fait, mais on s'est retrouvé à glisser sur le vibreur. C'est bon, on est passé à l'intérieur. Est-ce qu'on va remporter la première victoire sur notre première course? Je freine pas, hein. Je ne fais que ralentir. Ça a l'air suffisant en tout cas. Ah, par contre, l'IA est pas loin. Oh, attention, à partir tête à queue! Oh là là, attention! Olé! Ah, par contre, il y a un gros mur là. Ah! Ah, par contre, voilà, ce qui est pas mal fait, c'est quand je veux accélérer, ça glisse. Jusque-là, on est logique. Et je vais perdre la. Ah, j'ai 5 secondes pour finir! C'est-à-dire que j'ai game over si je loupe? Genre game over, les gens. J'ai même pas réussi à finir la première course en fait, c'est dommage. Au niveau des meilleurs tours, regardez, j'ai fait une 22, on a une 16 pour Fabien Pornin. Je sais pas où il a gagné 5, 6 secondes le mec, mais bon. Temps total 4 minutes 17. Alors j'ai pas compté le nombre de voitures contre nous, je crois qu'on est 10, 9 ou 10. Génial, c'est de la bonne musique quoi. Même les gifs sont ultra ultra speed, regardez. C'est vraiment. Le gif il doit faire quoi? Une seconde, même pas. Même pas, il doit faire 0,5 secondes. On va faire un mode championnat. Ah, il faut sélectionner une fente. Alors ouais, toujours hein. Comment perdre du temps sur des conneries? On a mis la carte à bord en 3 dimensions, évidemment, c'était totalement utile. C'est fait par. C'est moteur rendu Renderware quand même. Qu'on trouve dans beaucoup de jeux à cette époque d'ailleurs. Difficulté de la partie, on va laisser en normal, de toute façon ça me semble correct, hein. On a galéré comme il fallait et on n'était pas trop à la rue non plus, donc on va laisser par défaut. Alors là on a pas de vitesse, beaucoup de maniement, mais l'artillerie était bien en fait, mais je vais peut-être prendre. Franchement, un truc qui est pas logique. Quand on fait un jeu d'arcade en général, quand on a des choix de voitures, toutes les voitures ont un défaut, ou un défaut et un truc bien. Ou tout moyen, ou un truc très faible, un truc très fort, un truc moyen au milieu pour que ça fasse en gros toujours le même nombre de trucs. Mais là, si vous regardez bien, l'artillerie elle défonce tout. Hein. Elle a une vitesse qui est correcte, une accélération correcte et un maniement qui est totalement énorme, ce qui est pas logique. La Zouerst, c'est un peu à l'inverse, mais elle a un maniement qui est exécrable, enfin elle a un défaut quoi. Alors que l'autre elle en a pas. Ah si, on a l'oxygène. L'artillerie et l'oxygène c'est un peu pareil. La Vivido elle a plus de maniement. Je vais comparer la Vivido et la Artélie. Ouais, non, mais regardez. La celle-là, elle perd 1 en vitesse. Elle gagne 2 en maniement, mais elle perd 4 en maniement. Donc ça sert à rien, je vais prendre de l'oxygène. Hein, on va s'embêter. Sinon, il y a celle-là aussi. On va prendre l'oxygène. Allez, c'est parti. On a un classement, et du coup, on a un mode qualification qui s'ouvre. Le tableau des pilotes. Et bah, du coup, on va faire les qualifications. En plus, je suis bête parce que j'ai dit au début qu'on allait faire un autre tracé et je crois que c'est le même. Enfin bon, c'est pas grave. On peut mettre la transmission en manuel et les rapports de boîte de vitesse, ce qui fait qu'on peut changer un peu. Voilà les paramètres ici. Voilà, je vais mettre de la vitesse hein, pour une fois, puisque ça change rien dans le maniement finalement. On va laisser comme ça, ce qui est totalement bête aussi, hein, parce que logiquement. Enfin non, mais non, je suis bête, c'est la boîte de vitesse, c'est pas les ailerons. Donc c'est cohérent. Pareil, les menus de chargement très austères. Bon, après, l'ambiance, c'est un choix, ça se discute pas souvent. Voilà, on va regarder cette vue. Oui, la montée des régimes moteurs en son est correcte, hein. Franchement, c'est plutôt bien fait.
Bon, après le reste, voilà, le maniement. Alors le maniement, je le trouve à chier, mais à la fois drôle, puisqu'il est assez intuitif en fait, en l'espace de. Pff, franchement, au bout de 40 secondes, vous savez manier la voiture quoi, y a pas grand chose à faire de plus. Après, évidemment, faut attaquer plus ou moins, prendre des risques pour essayer de faire des meilleurs chronos. Mais ça va quoi, enfin c'est. Pff, ça se pilote super bien. Même si c'est totalement irréaliste. Voilà. Ah, c'est là où j'ai perdu du temps, non? Wow, le virage est serré. Avec une petite vue arrière, voilà. Hop. Alors si on regarde les Formule 1, bah c'est typiquement les F1 qu'on avait en 2002, à peu près, 2001-2002. C'est à peu près ces formes-là. Ah, si on peut faire bien. Alors on a quand même fini de justesse. Alors si j'ai pas fait une erreur, on aurait peut-être fini premier, hein, mais vraiment pas très loin du deuxième. Enfin, ça aurait été coude à coude. En mode moyen, hein. Donc peut-être qu'en mode difficile, c'est vraiment vraiment beaucoup plus chaud. Donc il y a quand même un, ouais, c'est, il y a quand même un petit certain niveau à atteindre, je pense, pour réussir le jeu entièrement. Après, une fois que vous avez fini le championnat, que vous avez fini 10 courses, bon ben voilà, hein, je pense qu'il doit pas y avoir grand-chose derrière. Enfin, je pense difficilement qu'il va y avoir plus, puisque compte tenu de la taille, 33 mégas, ça a pas l'air énorme. En fait, je suis bête parce que Circa, on l'avait pas fait. Puisque regardez la chicane de fin, on n'avait pas une chicane comme ça avant. Donc en fait le circuit ressemble beaucoup. Et j'ai changé la vue, c'est génial. En plus c'est dommage que c'était mon tour chronométré que je faisais là, bon c'est pas grave. Du coup je vais voir si je peux quand même pas terminer dernier. En tout cas les assets et les textures semblent assez répétées. On verra s'il y a des circuits qui changent totalement de ton. Soit au niveau de la luminosité, soit au niveau de la 3D, au niveau des couleurs. Là pour l'instant c'est la même chose, hein, entre le circuit qu'on a fait avant et le circuit ici. Et ben voilà, ben c'est le fameux circuit avec le... Pour moi j'appelle ça le truc Dunlop, parce que ça ressemblait à ça sur Donington, non, hein. C'était un pont Dunlop. Vous savez toujours, d'ailleurs je crois qu'il existe encore. Par contre, un truc que je comprendrai jamais dans ce genre de jeu, ils mettent des faux sponsors parce qu'évidemment ils ont pas de. Bah, ils ont pas les droits quoi, donc ils sont obligés de mettre des sponsors fictifs. Mais quitte à mettre des sponsors fictifs, faites comme, je sais pas, Mario Kart, mais mettez au moins des trucs qui ressemblent à des sponsors officieux quoi. Par exemple, un truc qui ressemble, je sais pas, à Marlboro, un qui ressemble à Foster's, à l'époque c'était quoi, Allianz, voire Orange ou. Un truc qui fasse penser un peu quoi. Oh le vol que j'ai fait par-dessus par-dessus la chicane. Alors, meilleur tour j'ai fait en 1.35. Bon effectivement j'ai raté mon début donc j'aurais pu faire mieux. Du coup on va partir 5ème sur la grille. Et donc c'est parti, il y en a donc que 10 voitures. Oula, le son de guêpe. Est-ce qu'on peut faire un meilleur départ, tiens? Si je reste sur des régimes corrects et que je démarre en même temps. Ah bah non, pas du tout. Du coup regardez, j'ai super, je suis déjà dernier. Oh là, le choc entre les deux voitures, attention. Et donc du coup on est 7ème. Oh, il y a une voiture qui est totalement sortie de la piste, regardez. Celle-là elle a fait le retour gravier piste limite en jumpant. Alors évidemment il n'y a aucun dosage, on peut limite doser l'accélération, le freinage, ça va, ça marche plutôt bien. En revanche, ouais, là, dans la direction, c'est input 1-0. Alors, on va un peu parler de manière sérieuse de ce jeu. Franchement, pour 33 mégas de jeu, il y a pire. Vraiment, il y a eu des jeux de F1, enfin, en tout cas de course. Bien pire que ça, pour des budgets plus conséquents, j'imagine. Et là, hormis la magnétique qui est dégueulasse, le fait qu'il n'y ait pas de contenu, qu'on n'a pas de licence, etc. Bah, mine de rien, une fois qu'on a compris le contrôle, c'est assez drôle, c'est assez marrant à piloter. Enfin, je veux dire, on galère pas trop, quoi. Ça reste assez plaisant. Mais on n'est pas du tout sur la simulation, voilà. C'est ça, il faut vraiment oublier ce détail. Ils sont pas loin derrière, en plus.
Mais franchement, je dirais pas que je suis rompier, c'est loin de là quand même, mais je m'ennuie pas spécialement. Allez, on va essayer d'attaquer à l'intérieur. On va prendre la chicane tout droit, parce que j'adore faire ça. Et du coup, on repart. Normalement, j'ai une bonne vitesse de pointe, hein, j'avais pris des... Alors, non, miles par heure, j'ai aussi oublié d'en parler. S'il fait que 191, ouais, on doit être à 200, faut voir, j'ai la moitié, plus de la moitié. Donc on doit être à 300 et quelques là, à peu près 310, 320. Alors là je freine pas, apparemment ça a l'air de bien passer. Par contre le gérer la vue arrière c'est vraiment une infamie. On va appuyer deux fois. On a Jordan derrière qui essaye de tenir le rythme, en attendant nous on est toujours devant. Alors du coup il y a peut-être une meilleure accélération aussi. On va voir en vitesse de pointe mais... En vitesse de pointe j'ai l'impression d'être un peu plus rapide par contre. On a un petit effet de lens flare, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est c'est vu, revu. Il y en a 10 fois eu trop dans les épisodes 32 bits, enfin en tout cas dans les jeux 32 bits. Donc sur PlayStation 2, ça n'impressionne pas du tout. Non, après la framerate est bonne, en même temps il n'y a pas de spectateurs, regardez. Même eux ça les intéresse pas, les gens sur le côté de la route, il n'y a rien, il n'y a personne. En vrai, on a une entrée des stands, mais finalement qu'on n'utilisera jamais, puisqu'il n'y a pas de gestion d'essence, il n'y a pas de gestion de dégâts, il n'y a pas ce genre de choses. Donc ça, c'est voilà, ça fait partie des manquements. Mais je voulais s'imaginer s'il y avait des dégâts dans ce jeu, comme ça serait compliqué, vu ce que font les IA. Et vu le peu de marge de manœuvre. La vue intérieure aurait pu être intéressante si le jeu était plus réaliste et plus progressif dans sa direction. Mais du coup ça la rend totalement obsolète parce qu'elle est vraiment dégueulasse quoi donc Allez j'ai une vue arrière, encore une vue arrière, c'est totalement con. Et là j'ai une vue, voilà, intérieure. Mais malheureusement c'est pas très jouable. Par contre ils ont fait un effort sur le volant comme je disais et ça c'est intéressant. Disons qu'ils ont, voilà, il faut revoir la priorité les mecs. Quand vous faites un jeu, vous dites j'ai pas trop de budget, qu'est-ce qu'on fait? Limite ils auraient mieux fait de faire un circuit, un jeu plus fun de F1. Revoir un peu la maniabilité, pas faire de vue intérieure à la limite, comme ça on aurait gagné un petit peu de temps en développement sur le cockpit, voilà, on va dire ça comme ça. Puis voilà, 2-3 4 voitures de plus, possibilité de, je sais pas, d'en s'arrêter au stand, ça peut être un petit peu trop exagéré, mais... Ce qui est incroyable, c'est que je vais encore perdre dans le dernier tour. Oh Même l'IA, elle s'est plantée. Incroyable, l'IA elle est sortie totalement de la piste. Et c'est aussi totalement con en fait que vous regardez. Parce que là, quand je roule, quand je suis comme ça, c'est totalement irréaliste. Par contre quand on est dans l'herbe, alors là ils ont vraiment fait les choses en grand. Hein. On a l'impression vraiment qu'on glisse, enfin c'est super bien fait. Ah je vais à fond. Hein. Bon du coup j'ai fini combien? J'ai même pas rodé. Je crois que je finis 5ème, quelque chose comme ça. Ouais, alors ça c'est pas cool parce que finalement je me suis planté à la fin de la course, quoi. Comme la course d'avant. Du coup on a que 5 points. On va du coup faire continuer, on va faire le Grand Prix du Brésil. On va voir ce que ça donne. Je vais garder les rapports intermédiaires cette fois-ci, on va baisser un peu la vitesse. On va plutôt faire en sorte d'avoir une accélération correcte. Qui a l'air assez important, mine de rien, parce qu'en sortie de virage à chaque fois je galère un peu. Ah, par contre j'ai l'impression que la luminosité a changé. Par contre les assets sont toujours les mêmes, ça c'est un petit peu décevant. Mais bon, on s'y attendait un petit peu. On va découvrir ce Grand Prix du Brésil. Sponsorisé par la banque Poran et AP Pacific et Zo Wheels évidemment. Et bien qu'au Zo on a besoin de pneus pour rouler sur les dinosaures. Ok, donc là on a un long virage. Ok. Alors, pour précision, si j'appuie sur Select, il se passe rien non plus. Ce bouton ne sert à rien. De toute façon, vous avez vu les contrôles un petit peu avant. Ah, je suis sorti de la piste malheureusement et la glissade. Vous voyez par exemple, là, la gestion de l'herbe est plutôt bien rendue. C'est assez correct, c'est plutôt bien fait.
Voilà, des choses qui sont pas cohérentes malheureusement, mais bon. Après, c'est le genre de jeu où ils savaient pertinemment qu'ils allaient pas en vendre beaucoup, donc c'est vrai que les efforts faits, bon. Ça peut être très valorisant en fait pour les développeurs de faire ce genre de jeu, de se dire bon les mecs on a une petite équipe, mais justement c'est là où les mecs vous gagnez pas de points, parce que si vous avez fait un effort, limite le jeu aurait pu être une petite pépite à 33 mégas, ça aurait pu faire quelque chose de correct quand même, hein. Et vous auriez peut-être fait un nom, peut-être que le studio aurait été bon, certes peut-être acheté rapidement, mais bon en tout cas vous aurez peut-être progressé pour un truc intéressant, je sais pas. En tout cas c'est un peu dommage, voilà. Il y a des choses qui passent bien et des choses qui passent pas. Ce qui fait que le jeu bah, méritera pas plus que, allez, franchement, 10 ou 11 sur 20, quoi. C'est 10 parce qu'on a. Ça reste jouable. Le jeu est pas dégueulasse en termes de graphisme. Et tout le reste en moins, bah, pour ce qui est maniabilité, intérêt global, quoi. Y a pas d'intérêt. On va faire un deuxième tour. Voilà. C'était tellement rapide le tour que j'ai même pas vu qu'on était dans le deuxième. Par contre, pour dépasser, ça va être plus compliqué. Le circuit semble un petit peu moins large. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et oui, on a des tribunes, mais il y a personne. Ils sont même pas fait chier à faire des petites bitmaps avec des colonnes de gens que tu places sur la tribune. Bon, dites pas que ça fasse aller faire ramer la console, quoi. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est pas, on dirait un petit peu Jacare Pagua. Allez, on a fini. Et là, c'est un troisième temps, donc on est un petit peu mieux. C'est pas mal, on débute sur le circuit, on est déjà troisième. Bon. Toujours les guêpes autour de nous. J'espère qu'il y aura de la musique. Oh là là, et l'accident bête, et tout de suite. Une voiture qui se lance mieux que les autres, mais quand je dis qu'ils se lancent mieux que les autres, c'est vraiment beaucoup mieux, quoi. Et l'autre qui s'est retrouvé deuxième en l'espace de 4 secondes et demie, c'était assez violent. Alors, est-ce qu'on peut passer entre les deux? Il vient en tête de la course, c'est incroyable! Il vient de dépasser Tom Stelter, alors que Fabricio Marcatelli est troisième. Il y a une voiture qui est partie à la faute. Et c'est du coup c'est Steve Van Exel et Fabien Pornin qui passent devant. Et oui, Fabien Pornin, un type de tour, qui a 19 ans et déjà en Formule 1. On va freiner un peu ce virage, il est un peu plus serré. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des circuits en ville. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'en avoir vu. En tout cas les circuits de type Monaco, parce qu'en général c'est la grosse tendance. Quand on fait un championnat de F1, en général on met un circuit qui ressemble à Monaco, c'est toujours bien vendeur. Là j'en ai pas vu. Alors peut-être que sur les tracés visuellement ça donnait pas l'impression, mais peut-être qu'il y en a vraiment. Par contre, comptez pas sur moi pour faire le championnat entièrement là. Oh là là, il y a l'erreur. Et là je touche la voiture d'en haut. Alors ce qui est drôle, c'est que sur le... Alors attendez, j'ai les yeux qui me font mal. Ce qui est étonnant, c'est que le gravier réaccélère beaucoup mieux que le... que l'herbe. Il va falloir qu'on m'explique. En tout cas, le leader est souvent très très loin devant les autres, hein. Ça je le remarque aussi. Il va partir à la faute légèrement. Et du coup... on reste deuxième. On va essayer de rattraper la Kuizami. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre la référence. Parce qu'il n'y a que ceux qui... y a que ceux qui sont sur la chaîne qui vont comprendre la référence, mais bon. Aïe aïe aïe, non, il est parti en tête à queue. Vous avez vu, tant qu'on a gagné le... On est resté en rapport 6 d'ailleurs, hein, ce qui est totalement con. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais regardez, on est en 5ème à 80 miles par... C'est totalement débile en fait. Ils servent à quoi les premiers rapports en fait? Dans le virage au ralenti, j'étais en 5ème. C'est-à-dire que le rapport 1, 2, 3, 4 ne sert à rien. Voilà, j'ai pas de vitesse. Et là, il va ralentir, on sait pas pourquoi. Eh, tu peux avancer, hein. Tu veux gagner la course, il vaut mieux. Alors, on est dans le dernier tour, je vais essayer de me planter cette fois-ci. Là, ça pourrait être bien
dans le sens où j'aimerais voir s'il y a par exemple, je sais pas, un podium, quelque chose de différent. Ça pourrait être intéressant. Ce classement totalement anarchique, quoi. Ah bah il s'est planté. Loul. Ya s'est planté. Bah du coup on est tout seul. Et le pilote oxygène qui a remporté la première victoire de la saison, c'est incroyable. Je pense comme Arn, ça doit être assez intéressant. Enfin, assez intéressant quand c'est au second degré, mais enfin. Ouais non même pas. Je pense que ça peut être quand même assez drôle de voir un peu le challenge que ça apporte. Voilà, donc vous avez compris, je vais résumer une dernière fois, mais bon, je vais me répéter. C'est un jeu qui est, ma foi, assez mauvais. Mais ça va. Voilà. Ouah ! C'est un jeu de Formule 1, quoi. C'est pas si mal. Voilà, on pourrait finir comme ça. Pour un jeu à 33 dégâts, c'est pas si mal. Du coup, on a marqué des points, et je vois que derrière, bah, on s'est un peu partagé les points, du coup, on est premier. Revy Racing est deuxième avec Steven Excel, sûrement le cousin de Steven PowerPoint ou Steven Word. Du coup, on est premier. Par contre, vous avez vu, il n'y a rien. Hein. C'est juste premier, on passe à la suite. Bon, super, c'est pas spécialement engageant. Attendez, on va juste voir le circuit de France. Alors, lui, il est un peu plus détriqué. Du coup, je vais essayer de prendre une boîte faible. Ça, j'aurai une bonne accélération. Ouais, c'est vraiment léger, quoi. On va juste faire un tour de qualification ou deux, voir un peu le circuit, puis on s'arrêtera là. J'ai pas l'impression qu'il y ait de replay aussi. Mais là, il n'y a pas de replay. Par contre, voilà, le champ de caméra pour montrer le circuit, c'est bien fait. Ça va, c'est pas mal. Je sais pas si on peut faire un bon départ. En fait, il faut que je sers comme un teubé, je pense que ça marche pareil. Alors, bon, un peu de déception au niveau des couleurs, c'est pareil. Par contre, le circuit d'avant avait un peu changé. Donc ça, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, ce son. On sent que le moteur V10, il en peut plus, quoi. C'est limite, il est asthmatique, quoi, le moteur, quoi. C'est... Il va mourir, quoi. J'ai l'impression d'avoir un moteur en fin de vie, quoi. Lui, il sera juste bon pour chanter la Marseillaise en fin d'année, quoi. Bon, le circuit semble un petit peu plus technique, en tout cas, plus de virages. Bon, on l'avait vu, hein, de toute façon, c'est pour ça que j'ai mis des... J'ai mis une boîte de vitesse faible, enfin, en tout cas, courte. Regardez les sauts. Alors, il y a un truc que j'avais failli faire tout à l'heure, enfin, quand j'ai juste testé le jeu avant de commencer la vidéo pour voir si tout marchait bien. J'avais failli m'envoler, en fait, sur le vibreur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement tourné que la voiture, elle s'est déportée légèrement, et limite, elle serait partie en tête à queue, en tonneau. Mais bon, ça n'a jamais été le cas, donc peut-être que c'est pas possible. Oh, est-ce qu'on peut sauter par là? Attendez. Oui. Énorme. Ah, ça c'est énorme. Ah, je pensais pas que ça allait faire ça, franchement. Je savais qu'on allait sauter, mais à ce niveau-là. Par contre, la gestion des jumps, des sauts, est super bien faite. Putain, c'est pour ça que les mecs, des fois, j'ai envie que vous soyez cohérents du début jusqu'à la fin, parce que franchement, oui, voilà, il y a des trucs intéressants à faire. Mais à chaque fois, ça va pas jusqu'au bout, quoi. C'est dommage. Bon, on va finir le tour sur un deuxième jump parce que j'ai vraiment envie d'en retenter un et puis on s'arrêtera là-dessus. Voilà, donc en tout cas c'était Formula Challenge, j'ai pas confondre avec F1 Challenge qui est un jeu bien plus grand quand même, bien plus intéressant, bien mieux fait, enfin tout le tralala. Je le serai découvrir par vous-même, de toute façon c'est pas ça qui va bouffer votre quota de data, hein. Vous l'aurez compris. Voilà, donc ça reste une déception, mais je suis pas tant déçu que ça. Franchement, j'attendais à pire. Alors, on va essayer de faire un saut. C'est parce qu'il y a des boss un peu partout, en fait, sur le bord du circuit. Et j'ai qu'une envie, c'est de me les prendre, en fait. Ah, je crois que c'était là, non? Non, non, c'était après qu'il y avait...
J'aurais dû mettre la vitesse, prendre la vitesse maximale. Comme ça, j'aurais pu faire un saut encore plus grand. C'est vers là-bas, ouais. On va essayer. On va tourner, on va tourner, on va tourner. C'est parti! Oui! Alors, par contre, tu m'as mis en première. Hein. La première, il a enclenché. Il n'y a pas de problème. On va finir sur cette vue magnifique. Et du coup, on a quand même fait le 3, on a fait le troisième temps en se plantant deux fois dans le circuit quand même, faut le faire. Hein. Bon, enfin bref. Voilà, bah écoutez, c'était Formule 1 Grand Prix sur PlayStation 2. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!